Tu as faim, mon chéri? Ne t'inquiète pas, maman t'a préparé ton goûter préféré. Deux grandes tartines d'huile de palme pour bien commencer la journée et t'aider à développer ton diabète et ton cholestérol. Nutella, c'est plein de bons ingrédients pour votre enfant pour l'aider à mourir prématurément d'une maladie cardiovasculaire, car l'huile de palme est riche en acides gras saturés qui favorise l'obésité. Adieu la taille de guêpe! En fait, c'est plein d'ingrédients de merde pour votre enfant. Ça en a la couleur. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Après avoir vécu plus de 50 ans comme un cancan-pâte, à tartiner, la réputation de Nutella bat de l'aile. Et bien que les Français en soient chèvres, Nutella est maintenant victime de son succès et à cause d'eux, il n'y aura bientôt plus d'arbres dans les forêts tropicales. Oups. Quoi? Oh, ça provoque aussi une perte de la biodiversité, un déplacement des populations autochtones et la pollution des sources naturelles d'eau. Ok. Nous, on ferait vraiment n'importe quoi pour une bonne tartine de Nutella. Même à s'empoisonner consciemment. Lol. Et oui, car en plus, Nutella est également bourré de plastifiants. La molécule DEHP, c'est la molécule la plus nocive. Interdite dans l'industrie du jouet. Mais pas dans le Nutella. Trop fort. C'est un petit peu vache quand même. Hein. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Tu reveux une tartine de Nutella? Oui, maman. Le classique, c'est fantastique. Bon, pas de panique. Le gouvernement a trouvé une solution simple. Il va tout simplement interdire sa fabrication. Non, je plaisante. Il va taxer le Nutella à 300%. Le délice de l'écureuil. Mais oui, préférant adopter la politique de l'autruche. Ils ont trouvé la poule aux œufs d'or pour nous pigeonner. Trop fort. Ouh, encore une taxe. Oh, pas de quoi avoir le cafard. Pour sortir de ce guépier, ils proposent que chaque pays fabrique son Nutella avec sa propre huile nationale. Alors par exemple, en France, on aura du Nutella à l'huile de tournesol et dans le Gers, on aura du Nutella à la graisse de canard. En Espagne et en Italie, ils feront du Nutella avec de l'huile d'olive. Mmh, miam miam. Et en Turquie, ils prendront la graisse. Bon, revenons à nos moutons. L'amendement a été retiré? Oh non! Bah oui, ils auraient dû prendre un noisettement. Nutella, du bon lait écrémé, des bonnes noisettes. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant.